Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Tout Savoir sur Animal Crossing. Nouvelle vidéo aujourd'hui où on va voir quels sont les nouveaux insectes disponibles au mois d'octobre dans Animal Crossing New Horizons. C'est parti! Déjà, au mois d'octobre, 18 insectes disparaîtront. L'Agaria, Slatacus Atlas, le Crisidia Riffeus, le Macaon, le Morpho Bleu, le Troïde Alexandrae et le Troïde Brucana. La Cigale Cicadelle, le Lucane Copris Irisé et le Scarabée Goliath, la Ditique, le Patineur et la Punaise d'eau géante, le Géotrupidae, la Philie et la Sauterelle, le Moustique et le Rosalia Batesi. Et malheureusement, on n'aura qu'un seul nouvel insecte qui fera son apparition au mois de septembre. Ce sera la coccinelle, un insecte commun apparaissant sur les fleurs de 8h à 17h uniquement au mois d'octobre. Elle a une valeur de 200 clochettes à la boutique Nook et de 300 clochettes avec Jason. A noter que cet insecte a une autre période d'apparition entre mars et juin. A la fin du mois d'octobre, 10 autres insectes disparaîtront. L'anax napolitane, le cordulégastre, le saint-pétrum, le catacanthus, la coccinelle et la punaise, le saint-sidèle, le grillon du midi, le scorpion et le citron. Attrapez-les bien avant de passer au mois suivant. Voilà pour les nouveaux insectes du mois d'octobre. Ou plutôt le nouvel insecte du mois d'octobre. J'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si vous avez la moindre question, vous pouvez la poser dans les commentaires. Moi, je vous laisse là. Ciao !